Fidèles abonnés, bonjour, bonsoir, salut, ceci dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Alors n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur la cloche afin de recevoir les notifications en temps réel lors de la mise sur pied de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, ceci nous permettra d'améliorer la qualité de nos vidéos. Alors comme de coutume, nous avons dit, la terre ne trompe pas, c'est vrai, mais ne triche pas avec elle. Toute l'équipe d'Agos Consulting espère vous apporter chaque jour quotidien les éléments nécessaires pour l'amélioration de vos projets agricoles. Alors aujourd'hui nous allons parler de la conservation des semences. Comment conserver ces semences? Mais avant d'y parvenir au thème, laissez-moi partager avec vous les propos d'un célèbre chercheur, Gilles Dominique, qui disait tantôt, la semence est le début de la chaîne alimentaire. Celui qui contrôle la semence contrôle la chaîne alimentaire et donc contrôle les peu. Convenez avec moi qu'il est important de prendre vraiment soin de ce qu'on appelle semence, car c'est la base, car c'est le début. Alors aujourd'hui nous allons parler de la conservation. Car nombreux sont ceux qui ont eu à acheter des semences de mauvaise qualité, des semences qui n'ont pas germé, soit ils ont eu à acheter des semences pour une parcelle, ils ont utilisé, mais le reste des semences n'ont pas su comment conserver, par conséquent, ils l'ont perdu. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de la conservation. Vous avez remarqué que devant moi, j'ai avec moi ce fruit, où je vais extraire ma semence tout à l'heure, ma pratique, vous allez voir. J'ai ce bocal qui me permet de conserver les semences. C'est un autre bocal. Alors, je tiens à rappeler que il s'agit d'une semence paysanne, une semence villageoise, et non d'un fruit issu d'un plant de semences hybrides. Car ça ne sert à rien d'utiliser des semences hybrides pour les prochaines générations. Car vous allez faire face à ce qu'on appelle le phénomène d'imbrinding. Alors, il est important d'utiliser des semences paysannes ou villageoises afin de pouvoir les conserver pour une prochaine campagne. Si vous avez eu affaire à la première campagne avec une semence hybride, ça ne sert à rien de prélever des semences pour la prochaine campagne. Car vous serez obligé de racheter davantage de semences. Et alors, ceci n'est valable que pour des semences paysannes ou des semences villageoises. Alors, supposez que là, ce sont mes graines. Comme vous pouvez remarquer, ce sont mes fruits, mes semences de dattier. Supposez que j'ai consommé la date, j'ai les semences avec moi, je veux conserver. Comment la conserver? Alors il faut savoir qu'il existe deux types de conservation. La conservation in situ et la conservation ex situ. La conservation in situ détermine tout simplement la conservation en champ. Si nous prenons par exemple le cas du manioc. Vous avez peut-être fait le champ de manioc, vous avez la bouture, vous faites une conservation in situ, une conservation ex situ, dans le cas du manioc. Il y a des spéculations qui n'admettent que des conservations in situ ou ex situ, mais il y en a qui acceptent des conservations in situ et ex situ. Alors, comme j'ai tantôt, la conservation in situ consiste à conserver vos semences sur le champ, cas du manioc. Par conséquent, la conservation ex situ, exemple du dattier que je disais tantôt. J'ai consommé mon dattier. Ceux qui n'ont jamais eu à voir, voilà les graines, voilà les semences, voilà ce que ça ressemble. Les semences de dattier, vous pouvez l'observer, c'est ça. Alors, si j'ai consommé, je veux conserver. C'est pas évident. Il faut que je conserve dans un milieu vraiment fermé hermétiquement. Alors là, je vais vous rendre compte en fait que je prends les graines que je mets dans ma boîte. J'ai conservé, là ça peut mettre une durée d'un an, trois ans, parce qu'en fait le dattier fait partie de ce qu'on appelle les semences macrobiotiques, c'est-à-dire les semences qui ont une durée de vie pouvant aller de 3 à 15 ans, voire même plus, ça les semences macrobiotiques. Alors, dans ce milieu il est en bon état, il est très bien conservé. Là j'ai conservé une crème de dattier après consommation. Et maintenant donc, revenir à ce fruit, je ne peux pas conserver ça sous cette forme, je vais la perdre. Alors ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends mon fruit, ce fruit que je prends là, je vais mettre une pression avec les mains. Désolé, vraiment la caméra m'a trahi. Je vais mettre une pression avec les mains. Pourquoi avec les mains? Tout simplement pour éviter de... Si tu utilises un objet tranchant, il va couper les fruits à l'intérieur.
Une fois les fruits blessés, ce sont les portes d'entrée des maladies. Alors la consolation ne sera plus bonne, elle ne va plus mettre l'eau. Alors, une fois avec les mains, j'ai cassé, vous remarquez avec moi, voilà, voilà mes graines à l'intérieur, comme vous pouvez le remarquer, c'est ça. Je prends mon mouchoir, sur mon mouchoir, je vais épandre les graines. Vous remarquez, je prends mes graines. Alors quand je prends mes graines là comme ça, je prends mes graines. Alors j'ai un tapis. J'ai un tapis de la sorte devant moi. Ce que vous avez remarqué, j'ai un tapis comme ceci devant moi. Vous voyez mes graines apparaissent sur ce papier mouchoir qui est comme ça biodégradable à la nature. Alors, une fois que j'ai fait ceci, je dois laisser sécher quelque part pendant un certain nombre de jours, voire un à deux jours. Une fois c'est fait, assurez-vous, j'ai fait un exemple bien avant, j'obtiens ceci. Ça, c'est une plaque où j'ai eu à faire laisser il y a quelques semaines, deux jours, j'ai pendu mes graines et laissé sécher. Alors, une fois que j'ai fait comme ça, je ne peux pas laisser ceci comme ça. Ça va être sujet de plusieurs attaques ou de plusieurs ravages, de plusieurs maladies. Aussi la température ambiante peut venir interrompre ou influencer sur la qualité de ma semence. Alors ce que je fais, c'est quoi? C'est que je prends toujours mon bocal que voici. Car le fait d'utiliser aussi cette boîte nous permet de lutter contre la pollution de l'environnement. Car beaucoup sont ceux qui ont déjà eu à consommer un produit contenu dans cette boîte. Alors vous pouvez l'utiliser, ne plus jeter désormais. Cela peut vous servir à protéger l'environnement en conservant toutes vos semences. Une fois que j'ai fait, et tu veux se rappeler que sur ce feu de papier, je peux prendre de la cendre de bois pour une meilleure conservation. J'enroule tout simplement, comme vous pouvez l'observer. Vous enroulez tout simplement, comme ceci. Vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez, vous enroulez. De façon à obtenir un filon de cigarette, comme ceci. Et une fois que vous l'avez fait, vous prenez tout simplement votre boîte que vous ouvrez et vous introduisez là-dedans. Là, vos semences sont conservées dans de très bonnes conditions. Et la campagne suivante, vous pouvez l'utiliser sans problème, sans souci. Alors, fidèles abonnés, tout en espérant qu'à travers cette vidéo, vous avez appris comment conserver désormais vos semences. Alors, rassurez-vous de ne plus jeter vos boîtes ou rassurez-vous de les collecter auprès des pharmacies, auprès des personnes, auprès des hôpitaux afin de les valoriser, de lutter au haut niveau contre la pollution de l'environnement. Tout en espérant que vous avez appris assez à travers cette vidéo, tout en espérant que désormais vous allez mieux conserver vos semences, il y a aussi ceux qui achètent des semences en boutique, ils utilisent une partie, ils ne savent pas comment conserver. Vous pouvez aussi conserver de la sorte une fois après avoir acheté vos semences. Vous avez utilisé une petite quantité, il reste une autre, vous pouvez utiliser ces boîtes pour les conserver. Alors une fois de plus, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de nous faire confiance, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous faire vos suggestions, tout en espérant que nous vous apportons assez au quotidien. L'équipe d'Ago s'est constituée pour remercier énormément et espère que vous avez retenu la leçon que vous avez la pratiquer, vous allez la partager avec vos proches afin que des obéis puissent savoir comment consommer, conserver leurs semences et valoriser ces boîtes que chaque jour nous jetons au quotidien. Elles sont très efficaces pour la conservation des semences. Alors, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas de nous faire confiance, n'hésitez pas de nous laisser des commentaires, n'hésitez pas d'aimer les posts dans la vidéo. Nous le dit tantôt, la semence, c'est la base de l'agriculture. Alors, l'important de bien prendre soin de ces semences, l'important de bien les traiter, car la semence est responsable en moyenne à 40%, voire même 50-60% du rendement en champ. Alors, désormais, prenez bien soin de vos semences, prenez bien soin d'elles, donnez le meilleur cadre de vie. Vous avez compris qu'il existe deux types de conservation, in situ et ex situ. Ceci dépend des spéculations. Alors, si c'est une conservation in situ, il faut que les conditions soient réunies. Si c'est une conservation ex situ, que les conditions soient réunies pour que ça ne puisse pas influencer sur la qualité germinative et le pouvoir germinatif des graines au moment nécessaire pour le planter. Alors, fidèles abonnés, d'ici à la
Portez-vous bien, prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, à très bientôt pour une nouvelle thématique très intéressante. Merci bien.